الحمد لله ذي العز المجيد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، المكرم لمن خافه واتقاه، بدار لهم فيها من كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه فجعلهم فريقين، فمنهم شقي ومنهم سعيد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده سبحانه وتعالى، وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد، وأشكره، وبشكره تدوم النعم وتحل البركة وتزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه عدد ما يكتب من الملائكة رقيبٌ وعتيد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله الذي وقت الآجال وضرب الأمثال، ولم يخلقكم عبثاً بل للطاعة والامتثال. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً. Mes frères dans la foi, soldats de notre bien-aimé, le grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre créateur Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, l'aya que je viens de citer, qui signifie: et s'ils ont commis une injustice envers eux-mêmes, ils sont venus vers toi afin de demander à toi de faire des invocations en leur faveur, afin de lui demander de d'autre part au Muhammad que tu demandes pour eux le pardon auprès de Dieu Azza wa Jal. La wajadu Allah tawwab ar-rahima, il allait trouver quoi Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte la repentance et qui est clément et qui est miséricordieux. Là mes frères dans la foi, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne le péché, c'est lui Azza wa Jal. C'est pas Sayyidina Muhammad alayhi salat wa salam, c'est pas Jibril, c'est pas le malaïka, c'est pas les hommes pieux et saints, c'est pas les prophètes, c'est Allah. Mais quand même Allah ta'ala a ordonné aux compagnons, aux sahaba de Sayyidina Muhammad alayhi salat wa salam, que si l'un de vous a fait un péché, il a désobéi à Dieu, il a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'il vient chez toi, ô Muhammad, qu'il vient et il te dit, il te demande, ô Muhammad, demande à Allah Ta'ala qu'il me pardonne. L'aya sariha, explicite, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas dire, moi je crois à tout le Coran sauf cette aya. S'il rejette une ayah, comme il a rejeté le Coran, il n'est pas musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, au sujet de certains, « Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd ?» On ne peut pas, soit on croit à tout le Coran. Si la personne n'a pas cru à tout le Coran depuis, « Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin » jusqu'à Sourate An-Nas. Tout ça, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi Allah ta'ala nous a ordonné à ses compagnons du prophète alayhi salat wa salam d'aller demander à Sayyidina Muhammad de faire des invocations, demander dua, istighfar pour les compagnons. Et s'ils ont fait, ils vont trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala est clément et miséricordieux. Allah ta'ala pardonne à leurs péchés. Ça c'est dans le Coran. Maintenant, il y en a disent, il y a certains qui disent, mais ça c'est durant la vie. Ça c'est durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais mes frères,
Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit de prendre Sayyidina Muhammad comme intermédiaire et demander à lui de faire dua pour vous? Déjà vous dites, certains parmi eux, pourquoi tu vas chez la tombe du prophète Muhammad? Pourquoi tu vas en tel? Demande à Dieu directement. Bien sûr, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire, mais c'est Allah qui nous a dit de demander au prophète alayhi salatu wassalam qu'il fasse dua pour nous. Et est-ce qu'il y a un homme saint ou des fois ta mère, des fois ton père, tu dis, ma mère, j'ai fait beaucoup de péchés, faites dua pour moi, faites istighfar pour moi. Tu dis à ton père, oh mon père, fais dua pour moi. Que soit tu es en train de voyager, pourquoi tu espères que l'invocation du père, du maire, d'un homme pieux, d'un homme saint, soit exaucée? Tu dis, c'est des gens qui ont un mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué dans le Coran al-Karim, l'ayah que je viens de la citer. Maintenant ils disent, mais le prophète Muhammad alayhi salat wa salam, il est mort. Qui a dit ça? Je vous dis déjà le hadith que les prophètes, le hadith de l'Isra, que les prophètes sont vivants dans leur tombe, a été rapporté par combien de compagnons? 45 compagnons. 45 compagnons. Suyuti, il a cité 27 parmi ses compagnons. Et il a cité parmi le hadith mutawatir que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Bien sûr, ils ont eu la mort. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala retourne leur âme dans la tombe. Al-anbiya ahyaum fi quburihim yusallun. Soit tu dis, le prophète Muhammad est mon prophète. Soit tu n'as pas cru à Sayyidina Muhammad, alors tu n'es pas un musulman, tu n'es pas un croyant. Et encore, si tu dis tout ce qu'il a dit, Sayyidina Muhammad est juste, sauf ça, alors tu n'es pas un musulman. C'est comme tu as dit, le prophète Muhammad, ce n'est pas un prophète, parce qu'un prophète ne ment pas. Un prophète ne ramène pas de chez lui. Si Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, a dit cela, ça veut dire que c'est une vérité et il reçoit la révélation. Et dans Sahih Muslim, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit dans le Isra, j'ai passé par la tombe de Moussa alayhi salam et j'ai trouvé Moussa debout en train de prier. Alors, si Sayyidina Muhammad a dit j'ai vu Moussa dans la tombe, debout en train de prier, est-ce que quelqu'un d'autre a le droit de dire « c'est pas vrai » S'il dit « c'est pas vrai », ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un croyant, c'est notre maître qui a dit, on croit à tout ce qu'il a dit. « Wa kullu ma ja'a bihi ar-rasul fa haqqu at-taslim wa al-qabul » Tout ce qu'il nous a transmis, Sayyidina Muhammad, il mérite qu'on croit à ça et on est soumis, on ne discute pas, on ne débattre pas. C'est le prophète qui a dit, index explicite, il n'y a rien à dire. Alors on dit, Muslim a rapporté que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, j'ai vu Moussa debout dans sa tombe en train de prier. Et si la tombe de l'Ala ibn al-Hadrami, Al-Ala ibn al-Hadrami, c'est un grand sahabi. Abu Bakr al-Siddiq l'a envoyé vers le côté de l'Bahreïn, dans l'Arabie, le péninsule arabe, pour combattre al-Murtaddin, les apostats. Et il y a eu beaucoup de karamates, parce qu'il est venu, les chameaux ont pris fuite, et les musulmans étaient démoralisés. Il a dit, mais vous avez la bonne annonce du prophète, alayhi salatu wassalam, vous seriez dans le paradis, fiez à Dieu, et même pas la moitié de la journée, tous les chameaux sont revenus, ils ont trouvé l'eau et la nourriture. C'est pas seulement ça. Allah les a fait sortir avant de l'eau dans le désert, ils ont bu. Après, ils ont trouvé que les kuffars ont pris fuite. Il a ordonné à son armée de marcher sur l'eau. Alors les chevaux, ils ont passé au-dessus de l'eau. C'est le sabot qui a touché l'eau seulement. Ce n'est pas les chevaux qui ont nagé. Ils ont passé jusqu'ils ont pris victoire. Bref, dans le retour, Al-Ala ibn al-Hadrami est mort. Le compagnon Al-Ala est mort. Et vous connaissez très bien, lorsqu'il y a un mort, le mieux, c'est vite, on fait la toilette mortuaire, on l'enterre. C'est ça, honorer le mort. On fait vite les toilettes, laver, linceul, l'enterrement. Et on a fait. Quelqu'un a dit, qui est cet homme que vous avez enterré? Ah, c'est un grand compagnon, c'est Al-Ala ibn al-Hadrami, c'est un grand homme.
Ah, il a dit, c'est pas bien ce que vous... Pourquoi? Cette terre, il y a des bêtes féroces. Ils rongent les cadavres des morts. Il faut l'enlever de là. Alors on est revenu. On a ouvert la tombe. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas trouvé le corps de l'Ala ibn al-Hadrami. On avait la tombe pleine de lumière à l'extrême limite du regard. Plein de lumière, on ne voit pas les limites. La tombe était élargie, élargie dans la longueur, dans la largeur, et on ne voit pas la fin. Et bien sûr, il y a une fin, mais eux, ils n'ont pas vu. Ça, c'est la tombe d'un sahabi, Al-Ala ibn al-Hadrami. Que dit-on pour les tombes des prophètes? Que dit-on si Allah subhanahu wa ta'ala a élargi? Parce que j'ai entendu, il y a quelqu'un qui a dit, oui, pour faire la prière, il faut avoir la tombe, il faut avoir telle hauteur, et est-ce qu'il y a le clim ou non? Qu'est-ce que tu es en train de parler, toi? Tu es en train de parler des prophètes Muhammad alayhi salatu wa salam. Où est l'adab? Tu parles de cette manière-là, tu veux dire clim, ma clim. C'est Sayyidina Muhammad qui a dit, Al-Anbiya ahya'un fi quburihim yusalloun. Al-Bayhaqi a rapporté, les prophètes sont vivants. Il a fait tout un chapitre, Hayatul Anbiya, Hayatul, la vie des prophètes. Et Al-Bayhaqi, qu'est-ce que tu dis? Al-Bayhaqi, c'est un grand imam dans le fiqh, dans l'aqidah, dans le hadith. C'est un grand imam dans plusieurs domaines. Il a le livre Dala'il al-Nubuwa lorsqu'il a parlé de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Avant la naissance jusqu'à ses miracles. C'est un grand livre, et le livre Shu'ab al-Iman, et le livre As-Sunan al-Kubra, pour dire, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a confirmé que les prophètes ont une vie après sa mort. Et certains disent, mais le prophète Muhammad n'est pas profitable après sa mort. C'est lui qui dit ça. Quel est son jugement? C'est lui qui dit, Muhammad, la yamfa' n'est pas profitable après sa mort. Qu'est-ce qu'il a comme jugement? Il est mécréant par l'unanimité des savants de l'islam. Qui a dit ça? C'est le grand juge de la Mecque, Ahmed ibn Zayni Dihlan. Ahmed ibn Zayni Dihlan. Il est mort avant que mon grand-père soit né. Il est mort 150 ans en arrière. 150 ans, al-Shaykh Ahmed ibn Zayni Dihlan, le juge de la Mecque al-Mukarrama. Il a dit, celui qui dit Muhammad n'est pas profitable après sa mort, il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs hadiths parmi ces hadiths que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Hayati khayrun lakum tuhdithuna wa yuhdath lakum. Ma vie est un bien pour vous. Vous faites des choses et Allah ta'ala me donne une révélation à ce sujet et je vous informe les jugements. Wa mamati khayrun lakum. Et après ma mort, il y aura un bien pour vous. Certains de vos actes, certains de ce qu'on fait, seront exposés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si je trouve du bien, je loue Allah. Et si je trouve autre chose, je demande à Allah ta'ala le pardon. Là, la question, il demande à Allah le pardon pour nous. Et si Sayyidina Muhammad demande à Allah Ta'ala le pardon pour nous, c'est un grand, grand, grand profit pour nous. C'est une chose très profitable pour nous, les musulmans, qu'on a besoin de son invocation. Et les prophètes avant la mort, et les prophètes après sa mort, et après sa mort, il est profitable. Le hadith est juste rapporté par Al-Haythami. Al-Hafiz Al-Haythami a rapporté ce hadith qui est sahih, qui est juste, que Sayyidina Muhammad demande à Allah Ta'ala le pardon pour sa communauté. Et alors, comment vous dites, ils disent, le prophète Muhammad n'est pas profitable après sa mort? Mais c'est la parole de Sayyidina Muhammad. Et il a dit, il y a un bien après ma mort pour vous. Je fais des invocations en votre faveur. Mais c'est plutôt, c'est lui qui dit, Muhammad, après sa mort, il n'est pas profitable. Le bâton, il y a quelqu'un qui a dit, le juge de la Mecque, il a dit, il y a certains parmi les égarés, a dit, le bâton, il est profitable plus que Muhammad. Il a dit, pour le chameau, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Le chameau n'a pas bougé. Alors il a pris le bâton et il a fait un coup, le chameau a bougé. Il a dit, vous avez vu, le bâton est plus profitable que Muhammad. C'est un mécréant celui-là.
Et Allah Ta'ala a fait que pour faire marcher un chameau, une monture, il y a des paroles à dire. On ne dit pas Muhammad. Il y a des mots. Allah Ta'ala nous a donné la connaissance. Qu'est-ce qu'il faut dire pour faire marcher une monture, un chameau, un cheval, ainsi de suite. Mais Muhammad alayhi salatu wassalam, on a entendu que lorsqu'on dit Muhammad, on fait salat. Al-Bakhil, al-Bakhil, man dhukirtu indahu alam yusalli alayhi. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala sur le fait qu'il a fait de nous des membres de la communauté de ce prophète alayhi salatu wassalam. Puis après ils disent, mais comment ils sont morts, comment ils peuvent être profitables? Mais dans l'Isra wa al-Mi'raj, Sayyidina Moussa, il n'a pas dit à Sayyidina Muhammad, « Oud, was'al rabbaka al-takhfif » neuf fois. Et Sayyidina Muhammad a dit, Moussa, il me dit, demande à Allah Ta'ala un allègement, parce qu'ils étaient 50 prières. Et pour la communauté de Moussa, ils avaient deux prières. Moussa, il a dit, j'ai l'expérience avant, deux prières et beaucoup, ils n'ont pas fait. Demande à Allah Ta'ala un allègement. Alors, il a diminué 5. Après, il a diminué 5. 9 fois. Même lorsqu'il a dit, Sayyidina Muhammad, il m'a ordonné 5 prières. Sayyidina Moussa, il a dit, demande à Allah Ta'ala un allègement. Sayyidina Muhammad, il a dit, j'ai beaucoup demandé, j'ai de la pudeur de demander encore, j'accepte. Et Allah Ta'ala, Al-Karim, Al-Azim, Al-Rahim, a fait que les 5 prières qu'on fait, c'est comme 50 prières au minimum, 10 fois plus, au minimum. Et Allah Ta'ala multiplie la récompense à qui il veut, jusqu'à 700 fois ou des fois plus que ça pour qui il veut, selon l'état de la piété. Si la personne, il maîtrise la foi, la piété, la crainte, l'obéissance, c'est là où, lorsqu'il dit Subhanallah, des fois c'est des milliers de fois la récompense augmente. C'est pour cela, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, Abu Bakr Siddiq, Omar, ainsi de suite, parmi les grands compagnons, si l'un d'eux donne la moitié d'un moud, du blé ou des raisins, et l'un, quelqu'un d'autre, comme les compagnons qui sont venus après, comme Khalid ibn al-Walid et les autres, s'ils donnent comme la montagne de Uhud au nord, fi sabilillah, il ne va pas atteindre le moud qu'il a donné à Omar ou Ali ou Abdurrahman ou Aouf ou Othman, parce que ces gens-là, ils ont embrassé l'islam en premier. Regardons les mérites de ceux qui ont embrassé l'islam au début et ceux qui sont forts dans leur foi. Alors Moussa, quelques milliers d'années étaient profitables avec pour notre communauté, et grâce à lui, les prières ont été diminuées jusqu'à 5, mais la récompense n'a pas diminué, la récompense était comme 50 et plus. Alors comment peut-on dire que non, le prophète Mohammed, une fois qu'il est mort, n'est pas profitable? Mais ça n'a pas été rapporté dans le hadith sahih, rapporté par Al-Bukhari et d'autres, beaucoup de muhaddithin, beaucoup de huffaz ont rapporté, inclus Al-Bukhari, que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, Adam a eu débat avec Moussa. Il y avait, ou Moussa a eu débat avec Adam. Il y avait une discussion. Et Moussa a dit, oh Adam, tu es notre père. Allah Ta'ala t'a créé avec soin. خلقك الله بيده. أسجد لك ملائكته. Il a ordonné aux anges de se prosterner pour toi. Mais tu as mangé de là. Et on est sorti du paradis à cause de ça. Akalta min al-janna, akalta min al-shajara, fa kharajna bi sababika. C'est ce qu'il a dit Moussa à son père Adam. Comme une discussion entre prophètes. Et Adam alayhi salam a dit à Moussa, anta kalimullah, tu es celui qui a entendu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne ressemble pas à notre parole. Et il a fait descendre les tablettes de Torah pour toi. Combien tu as vu que c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinée pour moi, c'est écrit avant que je serai créé, par combien d'années? Il a dit voilà, tant d'années, 50 000 années avant ma création, ça a été écrit. Alors, Adam a dit à Moussa, tu me reproches sur quelque chose qui est prédestiné avant que je serai créé. Notre prophète Muhammad a dit, فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى. Adam a pris le dessus par le débat sur Moussa. Mais j'attire l'attention. Pourquoi? Parce que si là, maintenant, il a fait un péché d'or, et on lui dit, non, c'est haram. Si quelqu'un
il a été dans un, soi-disant, ils disent mariage homosexuel, homme-homme ou femme-femme. Ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est pas halal. Ça, c'est haram. Et si quelqu'un dit, oh Allah, mets baraka dedans, c'est la mécréance. Il doit revenir à l'islam par shahada. On doit dire, répond, reviens à l'islam. Il s'est repenti, il a regretté, il a dit, moi j'étais perturbé, j'étais loin dans l'égarement. Je me réponds, c'est fini, c'est kufr. Je me réponds, je ne reviens plus à ça. C'est bon, il s'est repenti. Il ne faut pas après tout le temps lui dire, il a fait. Il s'est repenti, il a reconnu que c'est la mécréance de dire on lit le Fatiha pour ça, ou on demande la baraka dans le haram, il y a la baraka. Non, il n'y a pas de baraka dans le haram. Après, si tu le vois 20 ans après, c'est toi qui as fait ça 20 ans en arrière. Mais je me suis repenti. J'ai quitté la mécréance pour revenir à l'islam. Et il a dit, Adam Amoussa, tu me parles maintenant, mais même moi je me suis repenti depuis milliers d'années. Pourquoi tu me parles maintenant? Est-ce que je peux changer le qadar? Non. Et pourquoi tu me parles après ma repentance? C'est là la question. Fahajja Adam Moussa, parce que tu me parles après que je me suis repenti. À quoi ça sert? Si tu veux que... Est-ce que je peux changer le qadar? Non. Personne de nous n'arrive pas à changer le qadar. Et tu me parles quelques milliers d'années après ma repentance. Fahajja Adam Moussa. Maintenant, l'argument de ce hadith, de cette histoire... Comment Adam a eu débat avec Moussa en étant mort? Les deux, ils sont morts, ils ont eu un débat. Parce qu'il y a des gens vraiment, si je me tue, mahboul, hein? C'est des gens, comme on dit, fous, yani, mahboul, fous. Comment il y a eu ces débats s'ils ne sont pas vivants? Est-ce qu'on peut avoir un débat entre deux qui sont morts? Ils sont morts et ils débattent, ils parlent, ils discutent et les deux sont morts. Mais soyons un peu de raison, un peu de logique. Si Sayyidina Muhammad il a rencontré Moussa, Moussa lui a dit, demande à Allah Ta'ala un allègement. Il était vivant, il n'était pas mort lorsqu'il lui a parlé. Et c'est une chose profitable. Mais ces gens-là, ils ont l'orgueil. Vous savez c'est quoi l'orgueil? On connaît une sorte, c'est lorsque je suis riche et beau et un grand homme et je dénigre les pauvres, je les méprise. Alors ça c'est l'orgueil. Mais il y a une autre sorte. Il y a une autre sorte d'orgueil. C'est quoi? C'est le fait de rejeter la vérité. Ne pas accepter la vérité. C'est ça un orgueil. Et Sayyidina Muhammad alayhi salat wa salam a expliqué. Al-kibru, batru al-haqqi wa ghamtu an-nas. Le fait de rejeter la vérité, ne pas accepter la vérité. Et la deuxième, le fait de mépriser, dénigrer les gens parce qu'il est pauvre. Et il n'est pas connu. Et moi je suis riche, je suis très connu, j'ai un grand... poste, mais ce qui compte selon le jugement de Dieu, inna akramakum indallahi atqakum. Hein? C'est possible que une personne que nous on ne donne pas d'importance, s'il vient vers la porte, on le pousse. Non, c'est pas toi. Rubash ata akhbar, dhitumrain, madfou' bil abwab. Un homme mal coiffé, il a la poussière. Il y a des habits qu'on trouve que c'est ancien, qui ne sont pas des habits chers ou chic. S'il vient, on dit non, ce n'est pas toi, tu n'es pas invité. S'il demande à Allah Ta'ala, il exauce à son invocation. Alors, ce n'est pas les habits qui comptent, mes frères. Ce n'est pas la richesse qui compte, c'est toi et ton cœur. C'est toi et ta religion. À quel point tu aimes Allah Ta'ala? À quel point tu suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Voilà la preuve. Si tu aimes Allah Ta'ala, tu suis son messager. Et à ce point on voit à quel point tu y as de mérite selon le jugement de Dieu. Et pour Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, il dit Sayyidina Muhammad, il est mort. Mais écoutez bien, il y a Ibn Jawzi. Ibn Jawzi, c'est un grand imam dans l'école Hanbali. Mais il ne s'appelle pas Ibn Qayyim al-Jawziya. Celui-là, c'est un égaré, Mujassim comme Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim al-Jawziya, c'est un égaré. Celui-là, il s'appelle Ibn al-Jawzi, Abu al-Fadl. Ibn Jawzi, il a un livre, il s'appelle Muthir al-gharam al-sakin ila ashraf al-amakin, ce qui ne fait bouger les cœurs vers les meilleures places. Parce que la meilleure place sur cette terre,
c'est la tombe de Sayyidina Muhammad. La meilleure place sur cette terre, c'est la tombe de Sayyidina Muhammad. Ça, c'est la meilleure place. Il a dit « Ashraf al-Amakin ». Alors, il y a quelqu'un, un saint, il s'appelle Abu al-Khayr al-Tinani. Abu al-Khayr al-Tinani, c'est un homme salih, rajul salih. Il est venu à Médine, ça fait des jours qu'il n'a pas mangé. Il avait très faim. Et comme il ne connaît pas les gens là-bas, il est venu vers la tombe de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam et il a dit « Ya Rasoul Allah, ana fi diyafatika al-layla, ô messager de Dieu, je suis ton invité ce soir. Wa man akramul khalaiq, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, qui est l'homme le plus généreux sur cette terre, c'est Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Il y a un homme qui lui dit « Je suis ton invité, Ya Rasoul Allah. » Qui a rapporté l'histoire? C'est Ibn Jawzi dans le livre Muthil al-Gharam al-Sakin. Cet homme, il dort à côté de la tombe et il voit Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam dans le rêve. À droite, il y a Abu Bakr Siddiq et Omar à gauche et Sayyidina Ali qui est devant. Et comme Abu al-Khayr était en sommeil, Sayyidina Ali est venu et lui dit Lève-toi. J'ai Rasulullah, le messager de Dieu est arrivé. Alors il s'est levé, Abu al-Khayr, il a vu devant lui Sayyidina Muhammad. Alors il est venu et lui a embrassé entre les yeux. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam lui a donné un morceau du pain, rarif, on dit rarif. Il lui a donné, mais il avait faim. Alors il a mangé la moitié. Dans le rêve, il a mangé la moitié. Lorsqu'il s'est réveillé, il a trouvé la deuxième partie du pain dans sa main. Et il a vu le pain, la moitié dans sa main. C'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné réellement le pain. Et il a trouvé dans sa main. Alors maintenant, un peu on peut dire, oui, c'est pas vrai, mais c'est un grand hafiz. Hanbali, c'est pas un menteur. C'est pas un menteur, c'est un grand hafiz. Cet homme Ibn Jawzi, il y a des milliers de gens qui se sont répandus à ses mains parce qu'il est très fort dans les exhortations. Il était très fort dans le conseil. Et il y a encore des centaines ou des milliers qui ont embrassé l'islam grâce à lui. C'est un homme, Allah Ta'ala lui a donné la sagesse et les très jolies paroles lorsqu'il parle. Lorsqu'il parle, les gens pleurent et se répandent. Il y avait des séances, plein de gens. Voilà, alors Ibn Jawzi a rapporté cette histoire. On en parle d'un autre, là, un autre livre. Al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa. Al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa. Encore Ibn Jawzi, l'auteur. Il dit trois hafiz. Abu Bakr al-Minqari, Al-Tabarani, Abu al-Shaykh. Trois hafaz. Lorsque j'ai dit hafiz, c'est pas comme j'ai dit muhaddith. Muhaddith, il a appris un peu le hadith. Hafiz, c'est celui qui dit sahih, da'if. Il a appris par cœur des milliers de hadiths avec la chaîne de transmission. Et ces trois hafiz avaient très faim. Et ils sont venus et ils n'ont rien à manger. Et ils ont même eu peur de leur vie pour leur santé. Alors, un parmi les hafiz, il est venu vers la tombe du prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, al-jou' al-jou', ô messager de Dieu, on a faim, on a faim. Il n'a pas dit autre chose, seulement ça. Alors, un parmi les hafaz dort, l'autre il est en train de lire. Et lui qui a dit cette parole, il est assis. À un certain moment, de la porte à côté de la tombe de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, rentre un homme sharif de Al-Bayt. Et il y a une personne ou deux qui portent avec eux un panier, grand panier, plein de choses à manger, plein, beaucoup de choses. Et il l'a mis devant eux, il dit, venez manger. Et ils sont venus, ils ont bien mangé, ils étaient très contents. Alors il a pensé qu'il allait prendre le reste. Non, il n'a pas pris le reste, il l'a gardé chez eux. Et puis, il s'est levé pour partir. Après, il a tourné, il a dit, est-ce que vous avez dit quelque chose au messager de Dieu? Parce qu'il est venu dans le rêve, il est venu maintenant dans le rêve, il m'a ordonné de vous ramener quelque chose à manger. Allahu Akbar ma'azza Muhammada. Allahu Akbar ma'azza Muhammada. Yanfa'u hayyan wa mayyita. Il est profitable
vivant et après sa mort. Regardons, c'est pas n'importe qui. Turwa Hufaz al-Tabarani, Abu Shaykh al-Minqari, c'est Turwa Hufaz qui ont dit à Sayyidina Muhammad, Ya Rasulallah, al-jou' al-jou'. On n'a pas dit c'est du shirk. On n'a pas dit, oh, vous avez adoré Muhammad. Mais le fait, mes frères, c'est Allah Ta'ala qui donne. Et Allah le Tout-Puissant. Allah Ta'ala, par exemple, tu dis, oui, va chez ton voisin. Tu dis, j'ai faim, donne-moi à manger. Dans le hadith, ma'amana bi man bata shab'an wa jaru ila jambi ya'lim bihi. Dans le hadith, il n'a pas cru en moi parfaitement. C'est lui qui dort rassasié et son voisin à côté de lui, il a faim. Alors quelqu'un, il a dit, moi, je suis ton voisin, j'ai faim, donne-moi à manger. Est-ce qu'il a fait le shirk? Non. Pourquoi? Mais il a demandé à une créature. Il n'a pas demandé au créateur. Il a demandé à un être humain. Qu'est-ce qu'ils disent, les garés? Oui, parce qu'il est vivant. Oui, parce qu'il est vivant. Parce que le vivant, c'est lui qui donne la pourvoyance ou c'est Allah? C'est Allah Ta'ala. Et le vivant, ce n'est qu'une cause. Maintenant, si tu demandes à un homme après la mort, qu'il soit prophète ou saint, et tu lui dis, j'ai faim, demande à Allah Ta'ala qu'il me donne. Mais c'est Allah Ta'ala qui te donne. Le vivant est une cause. Et le mort, qu'il soit un prophète après sa mort ou un saint, c'est une cause. Et c'est Allah Ta'ala qui est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts. Je répète, Allah Ta'ala est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts. Rien n'est difficile pour Allah Ta'ala. Comme il a fait que Moussa était profitable après sa mort, comme il a eu les débats entre Adam et Moussa et on a appris qu'on ne dit pas à une personne qui s'est repentie 20 ans, 50 ans, 1000 ans, ah tu as fait tel péché tel jour. On a appris, c'était profitable. Ce que le prophète nous a transmis de les débats entre Adam et Moussa, ça c'est quelque chose qui est dans la religion. Allah Ta'ala est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts. C'est lui qui doute à ce sujet et n'est pas musulman. Parce qu'il a douté au sujet de la puissance de Dieu Azza wa Jalla. Sayyidina Omar, sur le minbar, et l'armée en Iran, son armée à lui en Iran, à Nahawand, le commandant était Saria. Saria, il a cru que voilà, c'est la victoire, il fonce. Mais il n'a pas vu, il y a l'ennemi derrière la montagne, ils se sont cachés derrière les rochers et tout ça. Ils attendent que les musulmans seront à devant pour attaquer de derrière. Alors, il a dit Sayyidina Omar, « Ya Sariatul Jabal al-Jabal » Ya Sariatul Jabal al-Jabal. Alors Sari a entendu la parole de Sayyidina Omar et il est venu en haut pour avoir l'attaque et ils ont pris victoire sur les autres grâce à Omar qui était à Médine. Alors il était profitable avec la grande distance. Et c'est ça notre croyance, que le prophète Mohammed est profitable vivant et après sa mort. Et les prophètes aussi, et cela se passe par la volonté de Dieu et la puissance de Dieu. Il n'y a rien de shirk dedans, mais il y a des gens qui sont à bas niveau, au niveau de l'ilm al-din, au niveau de l'aqidah, au niveau de l'intelligence. Ils disent des choses contraires à la foi islamique, à la croyance des musulmans. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alameen. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العليم، فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تخفى عليه في سماواته وأرضه خافية، البصير الذي يبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء وهي ماشية، ورزقها مع ضعف حركتها الواهية، فهنيئاً لأهل القلوب الصافية. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغير متناهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله يحيي العظام البالية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالملة الهادية، أدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. وارض اللهم عن الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حيدر، وعلى آل البيت الطاهرين، وارفعهم يا ربنا إلى أعلى المقامات يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، أوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم مبعوثون وموقوفون من بعد الموت، مبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومزيون عليها، فأحسنوا يحسن الله إليكم. أخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم. يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فاتقوا الله تعالى واغتنموا هذه الحياة قبل الممات، وقدموا لأنفسكم الأعمال الصالحات، فإن الدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر، فخذوا من ممركم لمستقركم، واثبتوا على العقيدة الحقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نزلت عليه في هذا القرآن العظيم الذي قال فيه ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما كان استغفاره في حال حياته نافع لأمته، فاستغفاره وهو في قبره نافع لأمته، ومن قال إن استغفار النبي محمد لا يساوي شيئا أو هو كالعدم وأنه لا ينفع بعد موته كان من الكافرين ولم يعد من المسلمين، إذ أنه بهذا القول خالف العقيدة الإسلامية وخالف دين الإسلام. فالنبي محمد هو الذي قال: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم، فإذا أنا مت فإن أعمالكم تعرض علي، فإن وجدت خيرا استغفرت لكم، إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نافع لأمتي حيا وميتا، وهو في قبره
يصلي ويدعو لأمته، وإذا قلنا السلام عليك يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على أمته، يرد السلام عليهم، فمن سلم بقربه سمعه وأجابه، ومن سلم بعيدا الملائكة تبلغه. الرسول قال من سلم علي صلى وسلم علي بعيدا الملائكة تبلغني، ومن سلم علي قرب قبري أسمعه وأرد عليه السلام. وهذا إشارة واضحة إلى أن النبي في قبره حي ينفع أمته ويستغفر لأمته. والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء، وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله في السر والعلن، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت، فأعدوا العدة ليوم لا ينفع فيه مال ولا ينفع جاه إلا من أتى الله بقلب سليم. واثبتوا على ما كانت عليه الأمة، نحن مرجعنا كتاب الله، سنة رسول الله، إجماع الأمة، ثم الأئمة المعتبرون. إجماع الأمة، إجماع العلماء من هذه الأمة دليل عظيم. والأمة المحمدية من القرن السابع، من القرن السابع الهجري، من أيام الملك المظفر ملك إربل، يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام من 700 سنة. الأمة أجمعت واتفقت، والأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة، إذا اتفقوا على أمر لا بد أن يكون صوابا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتواتر: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وعلى هذا نحتفل وإياكم اليوم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ذاكرين فضائله وشمائله وأخلاقه وآدابه، وما علمنا به، وما أنزل الله به عليه من الآيات والذكر الحكيم. وهذا أمر عظيم، إن شاء الله تعالى سويا نكون مجتمعين على هذا في هذه الليلة بعد العشاء. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين آمين اللهم آمين. Inshallah, the Swami Namah.